l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Verniol sur BFM Business. Basel World, le salon mondial de l'horlogerie et de la joaillerie qui se tient du 19 au 25 mars à Bâle, donc en Suisse. Ça y est, ça arrive. Toutes les marques sont dans les starting blocks. Thierry Frézard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la maison Saint-Honoré, maison d'horlogerie française, née dans le Doubs en 1885, une maison familiale. Vous êtes l'arrière-petit-fils du fondateur. Difficile de s'imposer dans le monde de l'horlogerie. Dernièrement, vous avez eu une petite idée. Une petite idée qui vous a été soufflée par l'histoire de la maison. Vous vous êtes dit, on va faire une montre avec une partie de la Tour Eiffel. Voilà, donc cette année, c'est le 130e anniversaire de la maison Frézard, qui a été créée donc, en 1885. Et l'idée m'est venue pour rendre hommage à mon arrière-grand-père, qui venait de temps en temps à Paris à son époque. Et quand il passait devant la Tour Eiffel, il disait, il n'y a pas d'horloge, c'est vraiment dommage. Donc j'ai pensé que le meilleur hommage que je puisse lui rendre, c'était de fabriquer une montre avec l'acier de... De faire entrer la Tour Eiffel dans votre montre. De faire entrer la Tour Eiffel dans la montre. Donc on s'est rapproché de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. On a récupéré de l'acier et en fait on a remanufacturé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se demande comment on peut récupérer de l'acier de la Tour Eiffel. Et bien figurez-vous, messieurs, dames, que cette Tour Eiffel qui a 18 éléments de charpente, plus de 2 500 000 rivets, à chaque fois qu'on change un élément, et bien cet élément est stocké. Et donc vous, on vous est allé finalement, vous a donné un petit bout des stocks, enfin un petit bout de 200 tonnes, c'est ça? Non, on a récupéré 200 kilos. 200 kilos, c'est ça. 200 kilos. Donc avec ces 200 kilos, on a remanufacturé des pièces d'horlogerie, une partie des boîtes, et puis ensuite on a travaillé sur tout le design et le concept de cette montre. Vous passez beaucoup d'étapes là, Thierry Frézard, parce qu'on ne peut pas prendre comme ça un petit bout, même on parlait de 200 kilos tout à l'heure, mais on ne peut pas prendre quelques grammes de Tour Eiffel et mettre directement dans une montre, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, ça a été compliqué, on pensait que ça voulait être plus facile que cela, mais en fait on a récupéré ce fer, parce que ce n'est pas de l'acier, on a dû le fondre et rajouter du chrome pour pouvoir faire un acier inoxydable. Mmh. Donc en fait, cet ajout de chrome permet d'avoir une pièce qui n'altérera dans le temps et qui va permettre de passer les générations futures pour les collectionneurs et les personnes qui veulent laisser leur montre à leurs enfants, leurs héritiers. Et tout ça, ça met en avant de l'innovation, du savoir-faire. Il a fallu faire de la sidérurgie, de l'estampage, du frappage de métaux, faire appel à plusieurs savoir-faire comme ça, avant de pouvoir donc utiliser et du coup de donner à une montre cet aspect croisillon qui rappelle la Tour Eiffel. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous, la sidérurgie n'était pas du tout notre métier. Et donc on s'est rapproché de sociétés sidérurgiques en France qui ont réalisé la transformation de cet acier, de ce fer en acier. Et aujourd'hui, pour donner naissance à cette montre qui est pour moi assez exceptionnelle parce que porter l'histoire de France un peu quelque part, de la Tour Eiffel à son poignet est quand même assez exceptionnel pour les collectionneurs ou le cadeau qu'on va offrir à... Une montre collector, 1885 exemplaires, 1885 la date de naissance de votre maison, prix autour de 2600 €. Elle est à 2490 €. Mmh, donc allez, 2500 €. Et ça représente bien finalement la maison que vous êtes, Thierry Frézard, un pied en France, à la limite, hein, puisqu'on est dans le Doubs, dans le Haut-Doubs, ouais. Et un pied en Suisse, parce qu'aujourd'hui, quand on est une marque horlogère qui se respecte, on ne peut pas être ailleurs qu'en Suisse pour fabriquer, on est Swiss made. Oui, tout à fait. Malheureusement, le berceau horloger en France avec les fabricants de pièces détachées n'existe quasiment plus. Et donc, pour nous, il était nécessaire de se déplacer en Suisse pour pouvoir fabriquer ces montres. Et donc, ces montres ont récupéré un petit peu le label Swiss Made. Mmh. Donc, du coup, vous avez deux sites de production? Donc, on a deux sites de production sur les deux sites avec des employés extraordinaires qui sont toujours prêts à participer dans les projets. Et donc, une partie du personnel est en France et une autre partie en Suisse avec l'acharnement pour la production de pièces plutôt sur les stylos et accessoires et la partie montre qui est à la Chaux-de-Fonds en Suisse, qui est vraiment le cœur de l'horlogerie suisse. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, vous avez inauguré un magnifique siège social. C'est vrai que c'est important aussi quand on est une marque horlogère. Tout compte aussi bien, on n'est pas dans on est dans des belles manufactures et tout le savoir-faire aussi doit être mis à l'honneur.
L'innovation, j'en parlais à l'instant. Thierry Frézard, vous avez comme ça avancé dans le temps pour vos collections Opéra, Foria, Lutetia, Carousel, Colosseo et Haussmann. On en parlait à l'instant avec la Tour Eiffel. Vous avez travaillé aussi l'effet éclair diamant, c'est quoi ? Donc c'est un métal qui est travaillé et qui donne l'aspect de diamant, ce qui nous permet d'avoir des pavés, des montres avec des pavés de diamant, d'effet de diamant en fait, et ce n'est pas du diamant, c'est ce métal travaillé. Et c'est vraiment un produit qui est pour moi exceptionnel, qui n'a rien à voir avec un prix de certi de diamant. Donc on passe de, si on peut dire, de produits entre 6 000-7 000 euros à un produit à 1 000 euros avec cet effet diamant qui est vraiment exceptionnel. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que votre positionnement prix, Thierry Frézard, il est quoi, aux alentours de 300 jusqu'à 2000 euros à peu près, si on regarde les moyennes de prix. Disons, le cœur de gamme est vraiment entre 400 et 1500 euros, avec des produits exceptionnels jusqu'à 2500 euros à peu près. Comment on réussit? On sait toute la mécanique que ça représente, tout le savoir-faire, tous les matériaux que représente l'horlogerie haut de gamme. Comment on réussit à rester dans cette gamme de prix? Bon, déjà, c'est toute une histoire aussi, puisque, comme on en parle depuis le début de l'entretien, c'est une histoire de famille, c'est des étapes qu'on apprend avec les années, et en fait, on s'adapte à l'évolution des marchés pour apporter le meilleur produit au meilleur moment. Mmh. C'est-à-dire, alors très, très clairement et plus prosaïquement, comment on fait ? C'est-à-dire, parce qu'en plus vous êtes une petite maison, pardonnez-moi, mais quoi, c'est 20 000 pièces par an ? On fait 20 000 montres par an, oui. Mmh. Donc comment on fait aujourd'hui ? On ne délocalise pas, on fait tout en Suisse, mais on sous-traite avec d'autres marques, avec d'autres savoir-faire ? On sous-traite donc en Suisse avec d'autres marques pour obtenir des pièces détachées ou alors des fabricants de pièces qui sont genre bois de cadran, qui sont locaux. Mmh. Le plus important pour nous, c'est de travailler avec des produits de qualité et amener un produit avec une finesse, avec un savoir-faire dessus, avec une technologie qui rend le client satisfait de la marque. Mmh. Vous êtes présent dans une soixantaine de pays. Aujourd'hui, vous avez près d'un millier de points de vente, des boutiques en propre. 80% à l'exportation. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que je suis un peu une personne qui aime voyager, et depuis le début, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, c'est-à-dire c'est de se déplacer à l'étranger, de proposer le produit qu'on pouvait fabriquer soit en France ou en Suisse, et ça dans le monde entier puisqu'on est dans 60 pays. Et alors du coup, un millier de points de vente, seulement 6 boutiques en nom propre, oui. Celle de la rue Saint-Honoré, 326 rue Saint-Honoré, c'est important oui. De l'avoir, elle est arrivée assez tardivement finalement. La boutique est arrivée en 2004, donc ça a été aussi une période importante pour nous de se trouver dans cette rue qui est une des plus prestigieuses au monde, et c'est surtout de développer notre image à travers tout le réseau français, et s'appuyer un petit peu sur cette boutique pour être aujourd'hui présent aux Galeries Lafayette, pour être présent sur une centaine de points de vente, et avec une évolution qu'on espère sur cette année, puisqu'on consacre des efforts très importants sur le marché français, que ce soit à travers de la communication, à travers des ambassadeurs comme Paul Belmondo, avec notre partenariat avec le rallye Aïcha des Gazelles. Alors on va en reparler dans un instant, avec bien sûr cette montre Tour Eiffel que vous avez présentée en grande pompe sur la Tour Eiffel, le restaurant Jules Verne. Thierry Frézard, pourquoi justement miser beaucoup aujourd'hui sur le marché français ? Vous aviez pris du retard, vous attendez qu'il soit justement mûr pour vous recevoir ? C'est un marché qui était compliqué, avec une forte concurrence, avec en son temps la concurrence de fabricants français qui ont disparu, avec la fabrication, les marques suisses aussi. Et donc aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente pour nous pour être plus important pour ce marché. Et on a une opportunité qui est importante et on va la saisir. Mmh. Alors du coup, à Bâle, là je disais, Baselworld du 19 au 25 mars, là aussi évidemment c'est important, c'est le rendez-vous incontournable pour toute marque horlogère et joaillère. On va le voir dans un sens, ça vous concerne aussi, puisque à côté des montres il y a des accessoires, notamment des stylos, on va y revenir dans un instant. Pour ce 130e anniversaire, qu'est-ce que vous allez présenter à Bâle ?
Déjà la montre Tour Eiffel, hein, qui est pour nous un élément de communication extraordinaire, puisque la presse française a énormément communiqué sur ce produit. La presse étrangère a commencé à communiquer, mais la présence officielle de cette montre à l'étranger se fera lors du salon de la foire de Bâle. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité pour la marque et la société d'être plus crédible sur les niveaux internationaux. Mmh. Donc la montre Tour Eiffel, mais pas seulement. Il n'y a pas seulement la montre Tour Eiffel, on aura des montres qui sont présentées aussi exclusives, un peu comme le Forea One Carat qui a une nouvelle évolution. Donc c'est une montre pavée de 172 diamants pour un carat de diamant, donc on parle là plutôt joaillerie. Et puis des gammes qui sortiront avec des rééditions de montres comme la Manhattan par exemple. Et on parlait des stylos à l'instant. C'est une partie importante pour Maison Saint-Honoré, les stylos ? Le stylo, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Autant la montre est suisse-made, autant le stylo est fait en France, 100%. Et on est très fiers de pouvoir présenter ce produit. C'est historique dans la maison. Pourquoi continuer à faire du stylo ? Ou alors vous l'avez lancé en vous disant que ça permet une diversification ? Disons que ce n'est pas historique, c'est une quinzaine d'années à peu près. Et pour nous, ça a été une demande de nos clients sur les marchés internationaux qui a besoin de complémentarité avec. Il faut assortir le stylo avec la montre. Voilà, c'est exact, oui. Et c'est vrai que quand on parle de cadeaux qui sont offerts, montre, stylo, bouton de manchette ou maroquinerie, c'est toujours quelque chose qui intéresse le client. Et pour les cadeaux, c'est un produit qui est très très bien adapté. Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, Thierry Frézard. Pourquoi ? Parce qu'au départ, la maison, elle s'appelait Frézard, hein, jusqu'en 1985. Pendant un siècle, en fait, elle s'est appelée Frézard. Qui et pourquoi on a décidé de l'appeler Saint-Honoré ? Nous avions deux marques. La marque Frézard et la marque Saint-Honoré. Et comme je le disais tout à l'heure, j'étais un petit peu attiré par tout ce qui était à l'étranger. Et c'est vrai que sur les marchés internationaux, la marque Saint-Honoré a une très forte résonance. Et donc ça nous a permis d'ouvrir des marchés très importants comme le Japon par exemple. Mmh. Donc on est parti dans cette direction avec la marque Saint-Honoré. Mmh. Une petite trentaine de salariés aujourd'hui pour la maison Saint-Honoré, vu ce que vous venez de nous dire, notamment le déploiement sur le marché français. Est-ce que vous pensez grandir encore aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes dans une dynamique de croissance ? La croissance est un petit peu compliquée depuis quelques mois avec le franc suisse. Avec le franc suisse déjà, puisque nos produits sont suisses, donc nous avons le problème du franc suisse. On a aussi des pays qui sont touchés à l'international comme la Russie ou le Proche-Orient. Donc c'est des pays qui sont devenus très compliqués. Mais par contre, on est satisfait sur le développement de la marque en France qui nous permet de compenser un petit peu ces pertes de chiffre d'affaires sur ces pays. Mmh, donc c'est aussi pour ça que vous développez en France, parce que sur d'autres marchés, c'est plus compliqué. Oui, disons, c'était déjà prévu avant, mais ça tombe, on peut dire, assez bien par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Alors, vous disiez, c'est important aussi d'avoir tout horlogé, tout bon horlogé, être ses ambassadeurs, ses partenaires et ses ambassadeurs. Vous nous parliez de Paul Belmondo tout à l'heure, et vous êtes présent depuis 2-3 ans maintenant, c'est ça, sur le rallye Aïcha des Gazelles. Oui. Donc, un rallye automobile au féminin, un rallye d'aventure qui va partir là, bientôt. La semaine prochaine. Donc, il va partir samedi de la semaine prochaine depuis Nice. Il était important pour nous en tant que marque aussi féminine, puisque c'est 60% de notre marché, d'être présent avec un sport automobile, parce que je suis assez attiré par le sport automobile féminin. Et le rallye Aïcha des Gazelles est un rallye qui correspond tout à fait à notre image, par l'état d'esprit aussi des équipages de femmes qui veulent se battre, qui sont dynamiques, et c'était vraiment une opportunité. Et l'autre opportunité aussi qui nous a décidé à ce partenariat vient avec l'association Cœur de Gazelle, qui est une association caritative. Et nous avons créé à cet effet une montre, et dont tous les profits sont versés à cette œuvre caritative. Et donc quand on voit le travail qui est fait sur ce rallye, on ne peut pas être insensible à ce qui est fait. Mmh. Quelles sont les retombées pour vous d'un tel événement ? Je le disais, ça sera la troisième année. Est-ce que vous avez gagné en notoriété ? Est-ce que vous pouvez le mesurer ?
On a gagné en notoriété, c'est certain. Le mesurer, c'est un peu plus compliqué. Mais le travail qui est fait aussi par le Rallye des Gazelles au niveau communication féminine nous profite énormément. Vous avez d'autres événements comme ça dont vous êtes partenaire ? On est partenaire avec un pilote qui s'appelle Stéphane Sarrazin, qui pilote une voiture, une Toyota sur 24 heures du Mans au championnat du monde. Et c'est aussi un pilote exceptionnel et donc on attend beaucoup sur lui cette année avec cette nouvelle compétition qui s'annonce. C'est difficile de se positionner quand on est horloger parce que les horlogers sont déjà partenaires de beaucoup, beaucoup d'événements. Oui, ça c'est un fait que bon, si on parlait tout à l'heure de la foire de Bâle, il y a quand même 1800 marques de montres, ce qui est énorme et toute la compétition automobile ou autre est déjà détenue par de nombreuses sociétés. Donc ça se joue évidemment sur le marché horloger, mais aussi sur le marché de l'événementiel et sportif pour se trouver sa petite place. Comment vous le sentez là, Bâle ? Vous pensez que ça s'annonce bien justement, malgré tout cet environnement, on disait, économique un peu compliqué ? Le salon sera, je pense, un peu compliqué pour les différentes raisons qu'on a évoquées. Pour moi, je pense qu'on a un levier extraordinaire qui est la montre de la Tour Eiffel et ça va nous permettre de gagner beaucoup de notoriété et de décider certains distributeurs ou points de vente à prendre. Certaines sont déjà vendues ? Oui. Donc sur les 1885, c'est ça ? Oui, c'est combien ça. Combien sont vendus ? Actuellement, donc on a lancé ça il y a une dizaine de jours, il y a une cinquantaine de pièces qui ont été vendues. Mais pour l'instant, elles sont quasiment présentées que dans notre boutique et elles vont rentrer sur le réseau bientôt. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Good Luxe Paris, Paris en question. Thierry Frézard, quel est votre monument préféré à Paris, si je vous laisse le choix entre Sacré-Cœur ou Notre-Dame, ou un autre ? Pour moi, c'est difficile d'être indifférent, de ne pas être indifférent à la Tour Eiffel, forcément. Évidemment, c'est la Tour Eiffel, j'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qui vous agace dans la capitale française ? Je pense que tout ce qui est au niveau circulation, déplacement, est assez problématique. Et je pense que c'est compliqué pour quelqu'un qui vient de la province, oui. Et alors justement, dernière question, à l'inverse, est-ce que quelque chose pourrait vous décider à vous installer à Paris ? Charquement est dans le houdou, dans les sapins, dans la verdure. Donc c'est de trouver, à Paris, il y en a quelques endroits où on trouve de la verdure, des arbres. C'est pas gagné encore. Non. Thierry Frézard, merci beaucoup à vous, président de la maison horlogère Saint-Honoré, qu'on retrouvera donc à Baselworld et à découvrir la fameuse montre Tour Eiffel. Merci, merci beaucoup. À vous, allez, restez avec nous. Good Luxe Paris continue dans un instant. On va prendre un petit thé ensemble, juste après le rappel de l'actualité.